Salut tout le monde, c'est Zayuto et aujourd'hui on se retrouve comme vous le voyez sur Resident Evil Director's Cut. Pourquoi Director's Cut? C'est parce que c'est la seule version de Resident Evil originale que j'ai. On va se mettre en standard, on va pas. Entraînement. C'est quoi la différence? Attendez, c'est quoi le. Attendez, je regarde ma notice. Parce que c'est la différence entre ces trois modes de jeu. Le standard, ça va être le mode normal pour jouer comme dans le jeu originel. Donc voilà. Alors voyons voir, est-ce que c'est ça? Mise en place de la mission, qu'est-ce qu'il raconte? Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Et ça, on s'en fiche. Ah, voilà. Standard version originale, entraînement version simplifiée du jeu original avec notamment plus de munitions, de rubans, etc. On va peut-être pas faire celle-là. Et avancée, nouvelle version Director's Cut avec de nouvelles prises de vue, de nouveaux costumes, etc. Appuyez ça touche, quoi. Voilà, bon, après. Ok, très bien. Et oui, parce qu'on le fait sur le vrai jeu, en fait. Allez, on va essayer cette petite extrait, puis ensuite, on va jouer. Donc. Le temps que je vous parle, parce qu'il faut que je vous parle un petit moment. Donc, je vous disais. On est sur Resident Evil Director's Cut, donc, comme vous l'avez vu, il y a trois versions. Nous allons faire la version standard. Donc, on va faire le mode standard. Le mode standard qui est l'original. C'est l'original, tout simplement. Comme je viens de vous le dire. Entraînement, c'est une version très facile, donc on va pas le faire. Ce qui est ridicule. Parce que ridicule, nous on n'est pas là. J'ai envie de dire qu'il faut aller touriste, hein, donc on va pas faire la version facile. Enfin, entraînement. Et on va pas non plus faire l'avancée, parce que c'est une version avancée qui est une espèce de petit remake. C'est un mini remake en fait. Comme vous l'avez entendu, comme je viens de vous le dire, ce que je viens de dire dans la notice, puisqu'on est sur le vrai CD du jeu. Hein. On est sur le vrai CD du jeu. Que je vous avais montré d'ailleurs, il y a belle lurette sur mon unique vidéo IRL qui est sortie. Oui, je dis bien sorti, parce qu'en fait, en matière de vidéos IRL, j'en ai en fait plusieurs. J'en ai fait plein, sauf que le problème, c'est qu'il y a sur plein de vidéos, comment dire, c'était pourrave, tout simplement. C'est-à-dire, c'était pourrave, enfin, voilà. C'était pas, je m'en mets les pinceaux tellement dans ce que je disais, que j'ai dit, bon, c'est pas grave, je coupe, bon, je recommencerai. Et à chaque fois, voilà, et du coup, mais je vous ai pas fait le truc. Le problème, c'est qu'il y a certaines vidéos IRL que j'ai fait, où je me sens embrouillé, mais le problème, c'est un truc qu'on peut pas refaire. À ça, les ouvertures et tout, c'est pas quelque chose qu'on peut refaire. Donc voilà. Donc, on va lancer la partie en standard. Hop. Ça va pas tout de suite commencer, puisqu'il va y avoir le choix du personnage, évidemment. Puisque Chris Redfield et Jill Valentine. Donc voilà. Alors, je précise tout de suite, petite information pour vous. Le jeu est dans une PS3, voilà. En fait, je capture bien le boîtier d'acquisition, bien sûr, et un splitter, puisque le boîtier d'acquisition tout seul ne peut pas capturer la PS3. Je suis obligé d'avoir un boîtier. Je suis obligé d'avoir un splitter. Je suis obligé de le brancher sur un splitter pour que ça puisse fonctionner, en fait. Puisque la PS3 a le HDCP d'activé, on ne peut pas le désactiver. Résultat, ce qui se passe, on est obligé de passer par un splitter pour pouvoir avoir l'image. Voilà, pour pouvoir capturer l'image et tout. Voilà. Tout simplement. Et c'est ce que vous avez à l'écran en ce moment. Voilà. Et donc c'est sur PS3 que j'ai mis le jeu. Et j'ai activé le lissage et le plein écran pour avoir la meilleure qualité possible pour vous. Et aussi pour que ça colle le mieux avec l'overlay que je vous ai mis. Donc voilà. Tout simplement. Et on va se prendre. Alors, avant toute chose, la partie avec Chris à 738 et c'est 823 pour vous dire. D'accord. On voit la signature, on voit le. Je sais pas ce que c'est dessous. Voilà, la carte de police des Stark. De Jill et de Chris. Je ne sais pas qui sont ces acteurs là. Ils font les rôles des deux là, de Jill Valentine et de Chris Redfield. Parce que l'actrice là, qui à l'époque a fait le rôle de Jill Valentine. Hey, moi je trouve qu'elle est plutôt. Elle est plutôt jolie. Hein. Franchement, enfin, en tout cas à l'époque, parce que bon, aujourd'hui évidemment, elle a pris de l'âge un petit peu, je pense. Puisque bon, ce jeu, j'ai envie de dire, il a été développé en 96, donc, enfin, il est sorti en 96, pardon. Et voilà, je veux dire, le fait que ça sorte en 96, forcément, voilà, c'était il y a 25 ans, donc voilà. Oh, putain, 25 ans, j'ai même pas fait attention. J'ai pas fait attention, c'était il y a 25 ans le truc. Eh, hey, mais là, je le fais l'année même des 25 ans. Bah, faut que je le... bah, à ce moment-là, faut que je le finisse. Hein. J'espère que je pourrai le finir avec vous. Enfin, bref.
Il y a 6 minutes que cette vidéo a commencé, qu'on n'a toujours pas commencé, c'est génial. Évidemment, je ne peux pas le faire en une partie, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, je pense qu'on va prendre Givantine, parce que c'est le mode facile, parce qu'elle a 2 cases de plus dans son inventaire. Attention! On dit abusivement que Chris Redfield est plus dur à cause des 2 cases en moins d'inventaire, certes, effectivement, mais aussi parce qu'on n'a pas le flingue au début. Faux! Pas enfin, faux. C'est pas faux, effectivement, on n'a pas le flingue au début, mais on peut récupérer le pistolet avant même de rencontrer le premier zombie. Enfin, pas de rencontrer, mais avant même. On peut avoir le flingue avant même de combattre le premier zombie. Donc, enfin voilà, je veux dire. Dire que c'est à cause de ça que c'est plus difficile, non. Je suis désolé, mais non. Parce qu'avant de récupérer le flingue, on fait presque rien au final. Donc, voilà, ça ne change pas grand-chose au niveau des armes, en fait. Voilà. Après, peut-être que Chris Redfield est plus résistant que Jill Valentine, c'est possible. C'est pourquoi avec Jill Valentine, avec les 2 cases supplémentaires qu'elle a dans son inventaire, eh bien, ça nous permet tout simplement de faire moins d'aller-retour. Et c'est pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc, je vais envoyer la partie avec Jill. Est-ce que j'avais renseigné pour les acteurs qui ont fait les rôles? Je ne sais pas. Bah, de toute façon, ils seront indiqués, non, dans le générique de fin quand on aura fini. Parce que là, ce qui va se passer, quand la cinématique va commencer, je vais vous laisser avec la. Bon. Je vous laisse avec la cinématique et je vous reprends au micro juste après cette cinématique. Par contre, Forest en juillet 98. Allez, je coupe le micro et je vous reprends après la cinématique. À tout à l'heure. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker.
Resident Evil. What is this? Wow, what a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! A dining room. Oh tout le monde! Bon, il y aurait une petite ellipse, je suis désolé. Enfin, moi en vrai j'aurais été obligé de faire une ellipse. Parce que j'ai dû m'absenter au dernier moment. Et j'en suis désolé. Ah oui d'ailleurs, pardon, j'allais oublier quelque chose. C'est qu'en fait je vous ai monté le son pour enrober ça un petit peu. Enfin, peut-être pas, voilà, comme ça. Que je vous avais monté le son en fait pour les cinématiques, parce que je pense que c'était pas assez fort, donc du coup je vous ai monté un peu le son. Donc du coup voilà. What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Obtenir le blason dès le départ. Alors bien sûr, obtenir le blason maintenant, ça sert à rien du tout. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Alors, ça veut dire que j'ai trouvé les noms des acteurs ayant fait le rôle. Ces rôles-là, les rôles en fait des personnages. Enfin, des personnages. Dans la cinématique en fait. Je précise que la cinématique, c'est la version non censurée. Oh, magnifique. Magnifique cinématique. Qui était bien flippée à l'époque. Qui aujourd'hui est extrêmement pixelisée. Qui est dans une mauvaise qualité affligeante aujourd'hui. En fait, il y a une petite astuce. En tout cas, elle fonctionne la version Rebirth. Ce que nous avons fait, je l'ai fait en live la version Rebirth. Il y a belle durée aussi. Hein. Allez-moi ça, voilà. Voilà l'astuce. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Mais avant... Oh, on peut pas. Écoute à Wesker, si vous saviez que Wesker en réalité c'est un enfant rose, qu'en réalité le Wesker est un traître, c'est tout ça est un piège de ce gars. Wesker! Help me look for him, Jill, and don't leave this hall for the time being. Je ne vous lis pas ce que disent les personnages, mais par contre... Bah en fait, je laisse parler en plus.
Il dit pas ce qu'il disent les personnages, moi c'est pour raison que comme il parle. En même temps, voilà quoi. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me, too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And, Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time, I'll be there. Christmas tree. Excusez-moi si vous avez entendu un petit bruit, je suis désolé. On va peut-être faire une première sauvegarde là. Trois rubans en creux. Est-ce qu'on va réellement faire une sauvegarde maintenant? Écoutez, non. Pas tout de suite. Il y a un truc à récupérer dans la petite salle où il y avait le zombie. Il y avait le zonzon. On va aller les récupérer maintenant. Vous savez comment on appuie sa carte en fait? Ah, on est obligé de passer par là, non? Ah, d'accord. Là, évidemment, il n'y a aucune indication si, pour dire si on a fini ou non une pièce. Là, pour le coup, ça va être chaud. Je me souviens, j'avais fait ce jeu là. Moi, à l'époque, il n'y a pas de munitions. C'est Kenneth de l'équipe Bravo et Star. À présent, il n'est que l'ombre de lui-même. Ah mince! Une photo de la maison. Moi, je croyais que c'était une plante verte qu'on pouvait prendre là-bas, mais bon. Pas du tout. Le silence qui règne dehors. Eh oui, par rapport au remake, là, moi direct extérieur de là. Fermé de l'intérieur. Fermé de l'intérieur. Et on a utilisé le passe-partout. Allons-y, continuons notre exploration de ce manoir. Dans ce résident suivant, le directeur Skull. Un beau piano à queue. Ah mais oui, il faut les notes de musique là. Pour que Jill on joue. Tandis que je suis avec Jill, elle pourra directement en jouer. Contrairement à Chris qui lui a besoin de Rebecca pour cela. Rebecca Chamber. Non, il n'y a pas, y a rien d'autre là-dedans. Bien évidemment, vous le savez. En fait, à chaque fois, je me plante de boutons.
sonnette au clair de lune. Quoi, c'est tout? Attendez, ne me dites pas que c'est uniquement dans le remake qu'il faut trouver la passe manquante. Quoi? Je me la ferme, parce que ça te permet. Désolé d'avoir gâché un passage avec ma toux. L'autre bourguet. Le blason bourguet. Là où avec Chris. Oh non. On va poser le faux que j'ai sur moi. Impossible à utiliser ici, mais what, une blague? C'est pas possible, théoriquement, d'en poser le. Ah ben voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça avait bugué ou quoi? Parfois, on vous dit un truc, vous dites, ah ben c'est bon, c'est posé, mais non, il faut juste un tout petit peu se déplacer pour que ça puisse fonctionner. Oh putain, non mais sérieux quoi. Il n'y a pas autant de choses évidemment que dans le remake. Hein. L'erreur c'est de comparer celui-là au remake. Au remake sur GameCube à l'époque, hein, je précise. Qui est ressorti sur les consoles HD. C'est l'erreur que les gens je pense font. Donc voilà. Allez, on est bien sur Resident Evil premier du nom, Director's Cut. Est-ce que je vous dis le nom des acteurs qui ont fait la cinématique au début? Je sais pas. Ah oui, non, pas de la cinématique. C'est une version intégrale non censurée que vous avez vue là. Voilà. Puisque c'est la fin de Director's Cut où ils ont décidé à mettre. Donc voilà. C'est la version. Et en couleur. Puisque dans le jeu original de Resident Evil, premier du nom, la toute première version sortie. En tout cas, à l'international, la cinématique au début était en noir et blanc. Elle était en noir et blanc par simple censure. Et je pense qu'il y a peut-être des passages qui avaient peut-être été coupés. Et ça, je suis pas sûr par contre. La clé manoir, évidemment. La clé manoir. Attends, on va l'examiner un petit peu. Rien d'important. What? On voit qu'un bouclier est gravé. Ben voilà. La clé bouclier. On va dire que c'est là-bas. Est-ce qu'on va faire une sauvegarde tout de suite? La réponse est non. Le gars qui peut pas. La réponse est. La réponse est. Et la réponse est. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez il y a 25 ans? Ah, où ça? Caméra qui bouge pas. Il y a des gens qui voudraient bien qu'il y ait un remake. Un deuxième remake de ce premier opus de Resident Evil. Même si moi je trouve que le Rebirth, le Rebirth il tient encore totalement la route hein, aujourd'hui. Moi je pense que c'est pas la peine de refaire un remake, hein, franchement. Après, effectivement, il y a peut-être histoire de qu'il puisse être correctement intégré avec le remake du 2 et celui du 3. Donc maintenant on peut voir. Ah voilà! Donc on est là, à côté il y a un petit truc, on va y aller.
Est-ce qu'on devrait pas sauvegarder? Je crois qu'il y a un zombie là-bas. Un zombie. Ils sont là-dedans. Resident Evil First. Et je pense à ce que je vais faire. Oula. Je sais que ce zombie n'est pas dead. Il va se réveiller. Le travail. Alors, je précise un truc. Je vais peut-être plus le faire au couteau. Là, je vais peut-être gaspiller des balles pour rien. Autant vous le dire. J'ai peut-être gaspillé des munitions pour rien. Oh, avec un bon creux. C'est quand même pas tout ça pour ça. Mais non. C'est tout ça pour ça? Oh non. Tout ça pour des rubans encreurs. Ne me faites pas venir. Si jamais su, je serais pas revenu. C'est pas grave. Hop, hop, hop. Attendez, avant je vais voir un truc dans le salon. Avant de passer par là-bas. Donc voilà quoi. Une armure gravée, ok, pour la pierre. Est-ce qu'on va faire une petite selle tout de suite? Eh bien non! Là je vous dis, je prends un gros risque. Autant vous le dire, je prends un énorme risque à faire ça. Parce que si je me fais avoir à un moment, étant donné que j'ai pas sauvegardé. Que je n'ai pas sauvegardé, et ben voilà quoi. Ben, c'est étonné que je n'ai absolument pas sauvegardé. Ce meuble, on peut le pousser. Non, pas comme ça, pas comme ça, on m'a dit. Il n'y a rien là. Oh non, c'est l'autre côté. Vite, on se barre, on se barre, on se barre. Oh putain de merde. Tant pis, on prendra ce qu'il y a, on prendra ce qu'il y a là plus tard. Elle avec les chiens pour l'instant, c'est pas. Tant que j'ai pas sauvegardé, c'est pas le moment de faire la broutille. Ah là-bas, il y a une herbe verte. Par contre, j'aimerais bien trouver une salle de sauvegarde. Hein. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais bien poser, moi. Avec Chris Redfield, toi, t'es pire, franchement. C'est fermé, une armure, encore. Oh, c'est amusant. Alors, je précise que ça vous pique peut-être des yeux, mais j'ai activé le lissage et tout sur la PS3, puisqu'encore une fois, on est sur PS3. Nous ne sommes pas sur la Play 1 originelle. Mais nous sommes tout de même avec le vrai CD du jeu. Donc voilà. Mais attendez, il n'y a rien à faire dans cette salle. C'est pas possible, il y a bien quelque chose à faire. Rien d'utile. Et vous n'allez pas me dire qu'elle sert à rien cette salle. Quoi? Je m'étonne un peu là quand même. Elle ne peut pas servir à rien comme ça. C'est pas possible. Je peux dire que j'appuie sur A. Sur A. Qu'est-ce que je raconte? Sur quoi partout? Non, je ne suis pas sur notre console là. En plus, je joue avec mon manette PS3 dans les mains, donc je sais pas pourquoi je dis sur A. Vous me direz si vous aimez bien l'overlay que j'ai mis là. Bon, bah, y a rien dans cette salle, c'est extrêmement bizarre, ça. Et ce n'est pas le bon côté, je me trompe. Attendez, le DualShock, il est... Ah non, il est pas pris en charge, en fait. Eh oui, parce que ce RE1 est sorti... Bah, il est sorti trop tôt, en fait. Pas trop tôt. Il est pas sorti trop tôt, mais je veux dire... Enfin, il est sorti trop tôt pour la manette DualShock, je veux dire, voilà. Attendez, là. Pas obtenir le shotgun, mais... non, je préfère quand même aller voir une sauvegarde, parce que si je me loupe... Alors, je sais que normalement, il y a Barry qui intervient.
Cabaret Burton qui quand on ne sort plus sous bien et tout. Sauf que je crois, il me semble que. Oh merde. Ah, il est mort. Clip. Vous l'avez déverrouillé. Ah, c'est là que c'est une porte. Dans les Resident Evil, je vous dis une chose. C'est fermé. Un casque. Là-bas, il y a la suite. Normalement, il y a une salle de sauvegarde quelque part. Oh là là, où est-ce que je suis parti, là? Là où c'est... Vous l'avez déverrouillé, j'aurais peut-être dû y aller pour voir. Ouais, mais est-ce que c'est un raccourci? Oh là, attendez. Oh là, non, non, non. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, parce que c'est quand on aura les... L'espèce de symbole. On va aller là-bas. Il y a quoi derrière cette porte bleue? C'est pas une salle de sauvegarde qu'il y a là? Quoique peut-être pas en fait. Oh non! Cela ne vous rappelle rien? Je vous explique. Dans Resident Evil 2, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un couloir qui est identique dans le commissariat. Bien sûr, le couloir qui est derrière est plus grand, puisque quand même, voilà. Mais autrement, le couloir est quasi identique. Si ce n'est que là, c'est décoration maison et tout, mais le fait qu'avoir une salle de sauvegarde soit un escalier et tout, ça revient à l'identique d'un couloir dans RE2. Encore une fois, le couloir dans RE2 est quand même plus grand, hein, bien sûr. Du produit chimique. Le problème, c'est que je sais pas où on va aller, là. Des outils de jardinage. Rien d'utile. Est-ce qu'il y a un ruban creux? Pourquoi sauvegarder? Attendez, il n'y a pas un ruban creux, là? Non, ils n'en fournissent pas, là? Bon, ben, visiblement, ils s'en fournissent pas. Non, non, pas tout de suite! Hop, 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 pas tout de suite. Pourquoi pas tout de suite? Qu'est-ce que je préfère? Je préfère d'abord poser... faire l'inventaire et ensuite regardez, on va poser. Oh, il y a deux chargeurs. Non, ça faudrait poser après. La clé bouclier, où est-ce que d'en avoir besoin? Merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pose le spray ou pas? Parce que là on a les herbes vertes. On va poser dans. Allez, je pose les herbes vertes. On va garder la clé, voilà, on va y aller comme ça. On serait mieux. Et on va faire une petite sauvegarde évidemment. S'ils avaient pris les trucs dans la salle avec le chien, j'aurais pu rien avoir. C'est pas grave. Ville 01, débarras rez-de-chaussée. Allez, on y va. Hop, 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 on pose le ruban encore d'abord. Ce que je dis là sur la similarité avec le couloir numéro 2, c'est bien sûr au niveau de l'agencement. Voilà. Donc voilà. C'est con que je dois refaire une ellipse. Parce que pour tout vous dire, en fait, il y a toute une vidéo à la suite. Et ça, j'ai pas coupé la capture au moment où j'ai dû m'absenter, en fait. Résultat, il y a un gros temps où je ne parle pas. C'est au moment, en fait, où je mets start. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai dû partir. C'est pour ça que j'ai mis pause. Parce que j'ai pas pu continuer. Enfin, j'ai dû m'absenter, en fait, à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai mis pause, histoire d'avoir un écran de pause. Voilà. Il y aura une ellipse. Ce qui fait que moi, ça. Le chrono est un peu faussé. Oh merde. C'est bon, éduqué.
Il est dead. C'est fermé. Une armure. Ben donc. Je précise que c'est cette version qui devait sortir au départ sur GameCube. De Resident Evil 1. Cependant, si un remake a plutôt été fait, c'est parce qu'en fait, bah, je veux dire, la qualité d'image de ce Resident Evil 1 était un peu trop mauvaise pour la GameCube, en fait, tout simplement. La GameCube étant une console 128 bits, ça aurait été juste inadmissible, pas inadmissible, ça aurait juste pas été une très, ça aurait été franchement une très mauvaise idée de faire le bois est dans la cuisinière. Le papier est sur le mur. Et oui, parce qu'il faut un briquet. Ok, on ne peut rien faire ici, on aurait besoin de partir. On s'en va. Donc là, on ne pouvait pas y entrer. La poignée est cassée. Mince. Ah oui, c'est une porte à sens unique. Vous l'avez déverrouillée, mais... C'est un truc que je trouve assez bizarre. Mais vous l'avez déverrouillée, mais... Alors qu'on y vient pour la première fois, en fait. C'est ça qui est étonnant. Oh, putain. J'ai pas vraiment assez de munitions. Non, j'ai pas assez. Ça sert à rien que j'essaie de le catch. Comme je veux plus direct. Là, je peux pas faire autrement. S'ils ont d'autres zombies, je suis obligé de fuir. Je précise qu'il faut pas tuer les zombies qui sont dans des salles fixes. On n'y revient pas souvent. Ça sert à rien de les tuer. Faut essayer de les esquiver, voilà. Ouvrage de botanique à propos des plantes médicinales. Comme vous le savez sûrement, il existe de nombreuses plantes ayant de vertus médicinales. Depuis les temps anciens, l'homme a utilisé de nombre de plantes pour soigner les blessures et traiter les maladies. Dans cet ouvrage, nous allons prélever trois herbes qui poussent dans la région des montagnes de Raccoon, et nous allons les prendre comme exemple pour illustrer ce que sont les plantes médicinales. Chaque herbe a une couleur différente et un effet particulier sur la santé. La verte permet de récupérer la force physique, la bleue neutralise les toxines naturelles, alors que la rouge n'a aucun propriété en soi. L'herbe rouge n'a pas de vertu, n'a de vertu que si elle est mélangée à une autre des, herbes, des deux herbes. Maintenant, si vous mélangez cette herbe avec la verte, votre force physique sera multipliée par 3. En variant les dosages et en multipliant les expériences, vous arriverez à créer des gammes de remèdes, mais je vous laisse les découvrir par vous-même. Ça se met au moins d'acquérir la vraie connaissance. Voilà. Pour apprendre aux joueurs à faire des... à combiner simplement ces plantes. Vous pouvez dire que vous pouvez combiner vos plantes. Il n'y avait effectivement que des herbes rouges, bleues et vertes dans ce jeu-là. Dans ce Resident Evil, premier du nom. Et là, en ce moment, je me dis, je vais faire des XP de jeux rétro. Bon, par contre, j'aimerais bien en faire plein, en fait, des XP de jeux rétro. Où je capture comme ça, je branche tout et après je capture les consoles et tout. Mais je me dis... ouais. Je suis en train de me rendre compte que la PS3 est la seule console. Et la seule console, en fait, la PS3 que j'ai, qui a le HDCP, donc je suis obligé de passer par un plus tard. Ah non, maintenant il y a la PS4 aussi, qu'est-ce que je dis moi, il y a aussi la PS4. Ah d'accord. What? Mais attendez, faut que j'aille où là? Attendez, parce que si je vais là, et que d'aller là, je vais ressortir dans l'autre porte là-bas. Ah putain, ça veut dire que dans le hall il va falloir monter en fait. Ou alors essayer d'aller derrière le zombie là. Zombino! Ah zombino! Oh l'esquive! C'est fermé. Une armure gravée, enfin, décidément. Oh non, il y a un autre zombie. Ah, il y a une porte. Une armure, pardon. Non! Oh l'esquive! Non, là j'avoue, je vous avoue, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir réussi à esquiver quand même ces deux zombies qui étaient là. Là j'ai vraiment du bol là sur ce coup-là. Ah ben voilà, on se retrouve en haut justement. Jill, what's going on? Any clues? No, but something's wrong with this house. Whoa! This hall is dangerous. Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we? Okay.
Let's separate again. Just a moment. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry? I have this. Thank you. I'll take this then. Des grenades. Cartouche acide. Bon, lance-grenade. Lance-grenade qui s'appelle là-dedans le... Bon, je sais même plus où. Il s'appelle dedans bazooka, je crois. Ça me fait penser qu'on a oublié le shotgun. On ira plus tard, c'est pas grave. Nous irons plus tard, mesdames et messieurs. Quelle on n'a pas pris shotgun. Alors que maintenant on pouvait largement y aller. Donc voilà. Oh là là. Ah bah il est là le bazooka. Cette forêt, il a été attaqué par des corbeaux. Oh putain, il y a des corbeaux, se ramènent. Vite! Sors-moi ce bazooka, Zil, et on s'en va vite. Le bazooka! Attention, il ne s'agit pas d'un lance-roquette, mais d'un lance-grenade. Hop! Voilà, cet endroit ne sert qu'à récupérer le bazooka. Et on s'en va. Est-ce que je me l'équipe? Allez, un peu, on va l'équiper pour le style. Parce qu'il faut pas s'en servir à tort et à travers, hein, je précise. Faut pas s'en servir n'importe comment. Même si dans ces jeux présentés le rétro, ils ont tendance à donner quand même beaucoup de munitions, en fait. Non, c'est vrai, ils ont tendance à en donner beaucoup trop par rapport à ce qu'il y a besoin. C'est pas un défaut, hein, c'est pas ce que je dis. Juste que, pour les boss, je veux dire, voilà, c'est... Ça fait un peu beaucoup, quand même, pour les boss. Enfin, donc bien. Faut faire tomber le la statue. Oh putain. Ah ouais, mais là je pouvais pas y arriver. Bon, il est en plein kill. Hein. Là, j'ai franchement pas eu le choix parce que on n'aurait pas pu avancer si on n'avait pas pu. Voilà, ça. Ouais. Bon, après c'est con, je gaspille ça alors que je devrais pas. Mais putain, mais pousse-le! Oh non, il y a l'autre qui arrive! Voilà, ça s'est cassé. On va essayer d'esquiver l'autre parce que c'est pas la peine de le tuer pour le moment. Pardon, excusez-moi, je suis en train de chanter. On se retrouve ici. Oh putain, non! Oh non, je suis obligé de passer là. Bon, tant pis, je suis obligé. Non, parce que sinon, je me ferai avoir si je le tue pas comme ça. Donc, on va essayer de l'esquiver. Yeah, la musique. Par contre, ça m'arrange pas. Putain, j'aurais dû aller récupérer le shotgun. J'ai été con. J'ai été con, j'aurais dû récupérer le shotgun tout à l'heure. En fait, dès qu'il y a la sonnette, j'aurais dû revenir en arrière direct, en fait. Mais remarquez, en faisant ça, on va pouvoir récupérer. Oh non, putain. Là, il y a une salle de sauvegarde, c'est bon. On y est. On va pouvoir sauvegarder, on va pouvoir souffler. Ah, les bancs sont sur le lit. Le lit. C'est un lit. Va dans ton lit. Non, je te lance. N'allez pas dans votre lit, hein. Pas dans votre... Donc on va poser le... Ah mais je suis con, il y a des munitions là. Bah, attendez, je vais les prendre les munitions du coup. Hop. Je fais n'importe quoi. Non, pas le produit chimique. Mais... Attendez, est-ce qu'on peut les combiner? Attendez, d'abord on va changer de plan. Hop!
Voilà, nickel. On équipe ça. Voilà. Attendez, j'ai posé l'Herbert. On n'en a pas besoin. Enfin, on n'en a pas besoin. Dans les médias, on n'en a pas besoin. Hop. Voilà, donc on va sauvegarder. Et on a plein de munitions de pistolet maintenant. Eh oui, j'étais con, j'aurais dû les prendre, les munitions qui étaient dans, dans la malle. Parce que si j'avais pensé à les prendre, j'aurais pu me débarrasser de certains zombies qui auraient pu être un peu gênants. Moi, comme un abruti que je suis, j'ai pas fait. Alors, est-ce qu'on va occuper le shotgun? En fait, j'ai fait le con, j'aurais dû occuper le shotgun dès le départ. Comme ça nous aurait évité de repasser là-bas. Et là, le problème, on va être obligé d'y retourner, donc... Remarquez, on sera obligé de toute façon d'y retourner au bout d'un moment, puisque... Et les portes sont fermées, pour les ouvrir, forcément, on doit repasser là-bas. Tant pis pour moi, on prendra le shotgun à ce moment-là. Oh putain. Armure. Pour l'instant, en esquivant les zombies, ça passe. Voilà, voilà. Y a pas totalement besoin de les tuer pour le moment. Même si bon. Normalement, dans les endroits où on passe beaucoup... Oh là, putain. Mais... Oh putain. Quoi? Attendez, on est où, là, derrière? Attendez, est-ce qu'on se retrouve là? Oh, attendez, c'est l'endroit où il y a le shotgun, à la rigueur. Hein? Ah, c'est le hall du début! Ah, bah attendez, ça tombe bien, on va pouvoir récupérer ce qu'on a fait tomber. Ce qu'on a fait tomber quand on a détruit la statue. Le joyau bleu. Alors je sais pas si dans ce Resident Evil il y a... Si dans cette version du premier Resident Evil il y a le joyau rouge aussi. Mais voilà. Donc on retourne la main. Ah mais attendez du coup. On peut peut-être aller chercher le shotgun. Est-ce qu'on va le chercher le shotgun? Pas maintenant. Ah, les zombies ont reculé un peu. Passe-partout. Ah, il y a quoi derrière? L'avantage, Gilles, quand même, c'est qu'avec le passe-partout, du coup, il y a des portes qu'on peut ouvrir dès le départ, comme celle, comme cette porte-là. Mais aussi, oh là, parce qu'il y a des choses là. Rien de spécial. C'est quoi ce truc-là qui... Mais c'est rien, le truc rouge là, qu'est-ce qu'on a? J'ai vu quelque chose sur le lit, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas un bug de l'ébu, le truc qui est sorti. Ah bah c'est des munitions. Très bien. Y'a que ça? Ah vous savez, j'ai tendance à parler trop vite. Je crois qu'il y a un zombie dans le meuble. C'est justement son histoire qu'on va lire là. Je crois bien. Ah on va rien lire du tout pour le moment. Elle tombe, salopard. Il est pas dead. C'est bon. Ouh. Les munitions de shotgun, mais nous n'avons pas le shotgun pour l'instant. On ne possède pas le shotgun. Pour le moment. Le problème, c'est que... Dans l'aile du gardien. 9 mai 98, ce soir nous avons joué au poker avec Scott le garde. Oh là, pardon. Alias... Hein? Attendez, Scott le garde, alias et Steve le chercheur. Steve a vraiment eu beaucoup de chance, mais je pense qu'il a triché. Quelle ordure. 10 mai 98, aujourd'hui l'un des principaux chercheurs m'a demandé de m'occuper d'un nouveau spécimen de monstre. Ça ressemble à un gorille sans peau. Ils m'ont dit qu'il fallait leur donner à manger des animaux vivants. Lorsque j'aurais lancé un cochon dans tout d'abord que je jouais avec. Lui arrachant les pattes et les viscères avant de les manger. La vache, 11 mai 98.
Vers 5h du matin, Scott est venu me voir et m'a tout à coup réveillé. Il porte une combinaison qui ressemblait à celle des cosmonautes. Il m'a dit d'en enfiler une moi aussi. J'ai compris qu'un accident s'était produit dans le laboratoire du sous-sol. Pas étonnant, ces chercheurs ne se reposent jamais, même la nuit. Ah, ils ont... Oh la faute, même le nuit ils ont mis. Même la nuit. 12 mai 98, je porte cette encombrante combinaison depuis hier. Ma peau commence à moisir et ça me démange. Pour me manger, je n'ai pas nourri les chiens aujourd'hui. Maintenant, je me sens mieux. 13 mai 98, je suis allé à l'infirmerie parce que mon dos était tout gonflé et me démangeait. Ils m'ont bandé le dos et le docteur m'a dit que je n'avais plus besoin de porter la combinaison. Mon petit doigt me dit que je vais bien dormir cette nuit. 14 mai 98, lorsque je me suis réveillé ce matin, j'ai découvert une autre ampoule à mon pied. Ça me gênait et j'ai fini par traîner du pied en allant voir les chiens. Ils ont été bien silencieux ce matin, ce qui est très inhabituel. J'ai découvert que certains d'entre eux s'étaient enfuis. Je vais avoir de sérieux problèmes si les chefs s'en aperçoivent. 15 mai 98, bien que je ne me sente pas bien, j'ai décidé d'aller rendre visite à Nancy. Son premier jour de congé depuis une éternité, mais j'ai été arrêté par un gardien à la sortie. Ils m'ont dit que la société avait décidé d'interdire toute sortie. Je ne peux même pas passer un coin. Le fils, c'est une blague ou quoi? 7 mai 98, j'ai entendu dire qu'un chercheur qui a tenté de s'échapper du laboratoire a été tué la nuit dernière. Tout mon corps me brûle et me démange durant la nuit. Lorsque je me suis gratté les ganglions sur le bras, un morceau de chair pourrie est tombé. Qu'est-ce qui m'arrive, bon sang? 9 mai 98, la fièvre est tombée, mais ça me démange. J'avais faim, j'ai mangé la nourriture des chiens. Ça démange, démange, Scott est venu. Sale tête, j'ai tué, délicieux. Ça démange, délicieux. Vous comprenez ce qui s'est passé, joint du gardien. Le gardien qu'on vient de tuer, l'homme qu'on vient de tuer est un gardien. Évidemment, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il est en train de transformer en zombie. La fin du mot. En fait, pour avoir un scénario... Pour avoir un scénario... Oh merde. Bon, on va se le faire. Oh non! L'enfoiré! Voilà. Premier dégât que je me prends du jeu. C'est quand même pas mal. Le premier dégât au bout de plus d'une heure de jeu, ça c'est bien. Enfin, c'est bien. Là, pour le coup, je suis content de moi. Parce que prendre les premiers dégâts au bout d'une heure de jeu environ, c'est cool, j'ai envie de dire. Un tigre, on a un œil rouge, un œil bleu. Faut que j'arrête de mettre triangle, hein. Alors, qu'y a-t-il là? L'une des plaques à mettre, peu importe. Pour aller vers l'extérieur. Le symbole vent. Moi, ce jeu-là, je l'ai eu, l'original, hein, je veux dire. La première fois que j'y ai joué, c'était sur Saturn. Curieusement, c'est assez bizarre que j'ai entendu dire que sur Saturn, le jeu était en anglais. Tout comme Tomb Raider 1. Ce qui a tendance à m'étonner, parce que moi, je crois bien que je les avais en français, en fait, ces jeux-là. Hein. Non, mais vraiment. Hein. Je pense vraiment que je les avais eu en français, ces deux-là. Hein. Parce que, quand même, j'ai envie de dire, si ça avait été en anglais... Je pense franchement que je les aurais remarqués, enfin je sais pas. Ça m'aurait sauté aux yeux quand même. Or ça ne m'a pas sauté aux yeux plus que ça. Donc soit le jeu existait en français sur Saturn, enfin les deux jeux même, existaient en français sur Saturn. Ce qui voudrait donc dire que... Oh non merde, j'ai pas pris le produit. Boulet. Ça s'appelle un boulet, mesdames et messieurs. Pour une connerie pareille, ça s'appelle vraiment un boulet. Là. On va regarder. On va se revoir cette action au ralenti, non, je plaisante. On va pas se revoir ça au ralenti. Donc, on va retourner à la salle de sauvegarde qui est à côté.
Attendez, là. C'est là qu'il y avait cette sauvegarde? Merde. Ah oui, c'est par là. Oh non! C'est pas vrai! C'est un là-bas. Oh putain de merde! Ouais, tant pis, j'utilise le spray. Mais ce zombie il sert à rien parce qu'il est tout au bout. Franchement, il sert à rien ce zombie. On va aller prendre l'engrais qu'on a trouvé tout à l'heure. Est-ce qu'on va refaire une sauvegarde tout de suite? Comme dirait l'autre, les sauvegardes, c'est pour les touristes. Alors, est-ce qu'on va faire une sauvegarde maintenant? La réponse est non. On a combien de temps de vidéo? Le problème, c'est que avec l'ellipse, on a 1h05. Bon, je pense qu'on va peut-être pas trop tarder à s'arrêter là pour cette première partie. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter parce que on va pas faire durer les parties pendant 3 heures non plus. Avec les vidéos en fait hors live, évidemment le mieux c'est de faire des parties moins longues qu'en live, tout simplement. Parce que en live on peut se permettre de faire des trucs plus longs parce que c'est du live, donc forcément l'intérêt c'est que ça soit plus long. Donc voilà. En vidéo peut-être pas parce qu'en vidéo il y a peut-être du montage et tout à faire, donc voilà. Donc c'est pas une bonne idée, j'ai envie de dire, de faire des trucs trop longs en vidéo, quoi. Après, on peut quand même, hein, si jamais c'est nécessaire pour, je sais pas moi, quelqu'un qui veut battre un record, quoi que ce soit. Donc voilà. Voilà, donc on met l'engrais là-dedans. Ou légèrement, plutôt. Ce qui tue la plante, normalement. En fait, vous, il y a un truc que vous ne voyez pas. C'est que, même si j'ai mis, moi j'ai mis en plein écran pour que, sur le retour, ça soit le mieux possible, en fait. Toutes les plantes qui arrivent, je pense qu'il vaut mieux prendre l'objet clé en priorité, quand même. Peut-être une clé. La clé. C'est tout, c'est déjà pas mal. C'est un bon déjà. Ah, j'ai 4 slots donc faut peut-être tout prendre. Attendez, est-ce qu'on peut tout prendre? Est-ce que je vais combiner aussi? Je ne sais pas, on verra. On va rechoper l'herbe rouge. On va choper l'herbe verte. On va choper l'herbe verte, pas rechoper. Est-ce qu'on va combiner toutes ces herbes? J'en ai aucune idée. Oh, il y a encore 2 autres herbes vertes, donc oui. Oui, on va combiner. Non, parce que sinon, on va devoir faire un aller-retour. J'ai pas très envie, pour être honnête. Voilà. Plein d'herbes. Je pense quand même que dans les difficultés les plus élevées, il y a moins d'herbes ici. En tout cas, j'espère, parce que si j'en mets autant, peut-être un peu chiant, même si c'est logique qu'il y ait plein d'herbes au final, puisque c'est un lieu de plantation, donc forcément, voilà. L'ennemi de l'endroit étant une plante, voilà quoi. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Sauf que le problème, c'est que je sais pas combien de temps a duré mon ellipse en fait. C'est bien là le problème. Donc si je savais combien de temps aurait duré mon ellipse, je saurais combien de temps on est de vidéo, en fait. Par conséquent, je pourrais dire si je m'arrête là ou pas. Je vais essayer de trouver un indice. Alors voyons voir.
mince. Attendez. Veuillez m'excuser 2 secondes. Ah ouais, ça a duré au moins 7 minutes, quoi. 7 minutes pour moi, en vrai. Vous vous en foutez, parce que de toute façon, vous va y avoir une ellipse, vous, ça dira pas. Les 7 minutes où il ne se passe absolument rien, de toute façon, ils vous seront coupés, donc. Oh la vache, j'ai failli faire une bêtise. J'ai failli faire la connerie de... De revenir en arrière avec des zombies maniaques, donc. On va poser ça, hein. On va garder, allez, on va garder une et un père. Je vais tellement dire mettre. Ça sert à rien avec moi-même, je sais. On va faire une petite sauvegarde, est-ce qu'on va s'arrêter là? Ça fait 1h10. Ça va 7 minutes, ça ferait 1h03. Je me dis, vu l'heure qu'il est, pour moi, là, en vrai... Bon, on va faire une sauvegarde et puis on va faire une sauvegarde, allez. On verra si on continue ou pas après. C'est que 3 rubans encreurs? Ah ouais, donc faut pas trop que j'abuse. Ça me rappelle, je sais plus si je vous l'avais dit dans le jeu en question, mais dans Code Veronica, en fait, dans Code Veronica, une de mes premières parties, à un moment j'étais bloqué. Parce que j'avais utilisé tous les rubans encreurs. Résultat, je me suis retrouvé bloqué. Parce que je pouvais plus sauvegarder ni rien, donc du coup. Faut que je fasse une bonne partie, faut que je fasse un long passage, faut que je passe un long moment dans le jeu. Jusqu'à trouver des rubans en creux, sans sauvegarder. Mais quand j'avais trouvé des rubans en creux, j'ai pas sauvegardé immédiatement. Après, hein. Parce que j'avais dû, Ah, la clé armure. Les bouquets qui a plus petit que les armures. Ah bah attendez, peut-être ouvrir la porte qui est à côté, non? Alors. Il y a une blague en fait avec Jill qui s'appelle. C'est le Jill Sandwich, alors je sais pas pourquoi en fait. C'est vrai que j'ai pas compris en fait le truc, j'ai pas compris la vanne. Oh le faux. Bon, il y a des munitions de shotgun, de flingue, pardon. Flingue s'appelle Beretta, donc si c'est un vrai Beretta, voilà. Ah bon sang. Le fusil cassé. Je me dis, est-ce que du coup on va aller récupérer le fusil? Parce que du coup on va pouvoir le prendre sans déclencher la cinématique. Le bureau est fermé. Évidemment, que tu le passes partout. Munitions de shotgun, mais nous n'avons pas encore de shotgun. Est-ce qu'on va aller le chercher ce shotgun? Je vous dis, on va pas tarder à s'arrêter, hein. Autant vous préciser ça. Est-ce que du coup nous allons aller chercher ce shotgun? Attendez, on va regarder la carte. Bleu blanc. Bleu 1F. Nous sommes ici. Oh, il y a une porte là. On n'avait pas ouvert. Eh, je me dis, ça se trouve. Peut-être l'ouvrir de l'autre côté du. Attendez, c'est qu'il y a le hall pas loin là. Oh le 2F, regardez-moi ça. On n'a que le plan du 1F. Alors. Attendez. Ah là 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 là, 25 ans après la sortie du jeu, on le fait. Ensemble, en vidéo, et non pas en live. Puisque nous ne sommes pas un jour de live. Là. Donc ça fera un petit peu de...
Ah ouais, mais attendez. Est-ce que je pose le fusil cassé? Parce que... normalement, il est pas loin de toute façon du passage. On se casse. Je pense que j'aurais dû choper le shotgun au départ. J'aurais dû choper le shotgun au départ. Parce que... du coup, on a peut-être fait un aller-retour. Un peu pour rien finalement. Donc, ce qui est pas logique, c'est quand vous appuyez là. Alors on est là. Ah ouais. Faut que je me longe. Mais non, faut que je longe du tout là. Non mais. Oh. Le problème c'est que c'est pas compressé en fait le truc. Alors ça c'est là où il y avait le jardin. Donc bon, l'autre côté alors. Et c'est l'autre côté. Donc aujourd'hui c'est là total. Ah oui, c'est là. On avait déverrouillé la porte. Alors attendez. Nous sommes ici. Alors, attendez, peut-être que je pourrais ouvrir. Attendez, oui. Ah non, c'est la salle avec le piano. Ah oui, non, non, on a déjà fait. On a déjà fait cette salle. Non, mais de l'intérieur. On va sortir par là, on va se retrouver dans le hall. Enfin, le hall, non. Pas le hall d'entrée, là. Qu'est-ce que je raconte? Là, c'est à manger, pardon. Je sais pas si ça vous fait ça quand, dans ce jeu. Vous retournez dans le hall d'entrée, ça vous rassure un peu. Parce que vous connaissez l'endroit. On est pas passé là. Clair mur. Bah allons-y. En mode arrangé, en fait, il y a moyen de changer la tenue de Jill et tout. Je crois. Différentes choses. Ça se compressit. Qu'est-ce que c'est? Des munitions de flingue. Yes. Flingue s'appelle Beretta. Et très franchement, c'est vraiment un Beretta, parce que le Beretta c'est normalement un pistolet à billes. Donc je doute fort que les pistolets à billes puissent tuer les zombies. Je me demande si c'est pas une erreur de traduction de la version américaine, puisque dans la version américaine c'est également écrit Beretta. D'ailleurs, à noter, je sais pas si vous avez remarqué. Oh putain, on dit ça. Non, qu'est-il là-dedans? Des munitions shotgun, je n'ai pas le shotgun. Le jeu, là, le jeu est en train de me dire, va chercher Soudion, bon sang de quoi. Oh putain. Oh bah, des imbertes. Hop.
hop. Oh là, vraiment machine. J'ai trop de choses sur moi, c'est pas vrai. Au pire, on combinera mes armes, hein, c'est pas grave. Il y a le putain de miroir. Il n'y a pas la clé de cette pièce. Ah non, c'est là, la salle pour les vêtements, je crois que c'est derrière. En fait, et je pense qu'elle doit pas être indiquée sur la map. Ah, si elle est indiquée, oui, mais on peut pas y aller. Je crois que cette salle, je crois, c'est la salle pour changer de vêtements. Il me donnait pas la clé pour cette pièce pour la simple raison que, étant donné que c'est la salle pour les vêtements, bah, tout simplement. Franchement, étant donné que c'est la salle pour les vêtements, non, comme je le disais. Bah du coup voilà, on peut pas y accéder dans le premier try en fait, hein. Faut bien le jeu une première fois pour cela. Donc voilà, bon. Est-ce qu'on va repasser par là? On va voir que de toute façon c'est par là qu'il y a le shotgun, on va dire. Ah oui, mais par contre, il y aura des chiens. Donc on va devoir se les faire, les chiens. Beaucoup, nous n'aurons pas le choix. À moins que les chiens soient partis se cacher. C'est possible, hein. Ah, elle vise automatiquement les chiens. Elle vise automatiquement les chiens. Probablement parce que, même si normalement il n'y a pas censé avoir de visée automatique. Oh non. Je pense que c'est une visée automatique pour les chiens parce que, encore une fois, ben, c'est l'autre côté qui peut toucher ça, et non. Y a rien? C'est une blague? Y'a rien du tout là? C'est peut-être pour nous faire tester le truc, pour nous faire remarquer qu'on peut faire des choses avec des trucs qui sortent un peu du vide. Ah là, il y a quelque chose. Des munitions. Voilà. Il y a un petit effet dessus. Bon, y a pas de sens. Allez, on y va. On poursuit notre chemin. Notre chemin vers la gloire. Non, plus sérieusement. Voilà. Ben oui, mais attendez. Pas gagné là, moi. Attendez, quand je vois les portes qu'il y a là, quoi de quelle porte? Ah, ça doit être celle qui a le petit couloir, non? Je pense que ça doit être ça parce que je vois pas ce que c'est sinon. Si c'est pas ça, je vois pas ce que c'est, hein, autant vous le dire. Ah! Y a que des herbes ici? On va les laisser. On reviendra. Oh putain. C'est pas vrai. Attendez, y a pas un truc là-dedans. C'est verrouillé. Rien d'étrange. On le barre vite. Je n'aurais pas dû venir là. On reviendra si jamais on a besoin d'herbes vertes. Mais bon, dans les médias, on n'en a pas besoin. Oh la danse. Voilà.
Non, ça sert à rien cette salle. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Alors, mais non, mais t'as c'est sûr, ça. Laissez, mais moi je plaisante. Je sais pas s'il y a des gens qui ont fait de l'ASMR avec des bruits. Avec des bruits tout simplement effrayants. J'ai pas le shotgun rouillé. Rouillé, cassé, pardon. Ouais, est-ce que Barry va quand même venir si Ah merde. Bon, attendez. Là, je suis peut-être un petit peu trop loin dans le jeu pour que Barry vienne, non? Bon, attendez, on va faire une petite sauvegarde d'abord. En espérant que je vais pas en revenir quand même. Voilà, salle de sauvegarde. On va prendre le fusil rouillé. Non, mais on va voir si Barry va pas en revenir quand même. On va voir. On va faire une petite sauvegarde et voilà. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Bon, c'est bien le bruit que ça fait. Vous avez tout, ça sert à quoi que t'essayes de voir si Barry va venir? Si Barry va venir, si c'est pour que. Si c'est pour que tu prennes le fusil cassé. Ça sert à ce que si jamais. Si jamais tu fais des choses et que Barry ne vient jamais, que je revienne, que j'essaie de revenir rapidement là-bas pour poser le fusil cassé. Voilà. Normalement, quand même. Normalement, il y a un petit peu de temps pour ça, hein. Je n'ai pas non plus totalement fou, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de temps. Finalement, on a juste le temps quand on est à la porte. Hein, vraiment. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Ce que j'ai en train de chanter, c'est que chanter un petit peu Anubis dans Yu-Gi-Oh! Le film. Je parle du film La Pyramide de Lumière, hein, pour information. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. What? L'énigme des tableaux. Mais non, pas tout de suite. Peut-être pas aujourd'hui d'ailleurs. Mais attendez, mais. C'est une blague ou quoi? Mais où elle est la porte? Me dites pas que je peux pas revenir. Voilà, c'est là. Shootgun Land. Où est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est ça. Bon, j'aurais tout ce qu'on dit là. T'as biscuit rien d'utile. C'est uniquement pour shootgun ici? Le fusil. On peut pas équiper le fusil cassé. Ça t'es bien, équiper le fusil cassé. Bon, ça t'es. On peut pas l'équiper parce que c'est juste pour dire en fait à l'autre joueur, non, non, c'est pas une arme, c'est un objet imposé. Tu peux pas t'en servir comme une arme. Voilà. Est-ce que Barry va venir? Je crois que oui. Pas attendez, il vient pas Barry,
crois bien que son de mes précédentes parties était venu. Attendez, quoi? Ça ne bouge pas. Quoi? Bon, ben on va poser le fusil cassé dans ce cas-là. Non! Non, je prends le fusil. Bon, ben le fusil cassé. Ok, bon, ben c'est qu'on doit être trop loin. On doit être trop loin dans le jeu, en fait. On a trop exploré, peut-être. Ok, donc on doit être trop loin en fait. J'ai trois. En fait, je crois que j'ai trop avancé en fait. J'ai trop avancé, du coup, Barry ne viendra pas. Ok. Excusez-moi 2 secondes, je coupe le micro, je vais pas faire d'ellipse. Voilà. Donc, prochaine sauvegarde, on va devoir se laisser là. On est à 1 heure, enfin 1 heure et demie de capture parce que voilà, l'ellipse n'y est pas, mais bon, normalement, ça devrait être environ 1 h 23. Comme ça offre votre petit film du soir. Je sais pas si c'est un film, mais voilà. Je sais pas quand je vais vous sortir de cette première partie d'épopée. Qu'est-ce que je raconte? De l'explay? Non, je suis pas Hooper quand même pour faire des épopées comme ça. Non, parce que Hooper, même sur les jeux comme ça, il fait plusieurs parties le même jour. Moi, non. Moi, j'ai pas trop la possibilité de faire ça, donc voilà. Hooper, lui, il le peut. Lui, s'il veut ou peur, j'ai envie de vous dire. Alors, est-ce qu'on va garder Shugun sur soi? Bah, je pense que oui, quand même. Je pense que oui. Bon, je vais pas prendre de cartouches, mais on va garder Shugun sur soi. On va prendre des rubans creux, on va sauvegarder. Voilà, donc on a Shugun maintenant. Donc maintenant, c'est bon. On a Shugun. On va. Voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. Tout ce qui est vert, c'est fait. Et on a des choses qu'on a fait aujourd'hui, hein. On a fait dans cette vidéo. Et je vais vous admettre que j'ai hâte de continuer. Mais là, je ne peux pas continuer tout de suite. J'en suis désolé. Voilà. Ce sera avec la scène numéro 5. Géante. Donc ça, c'est pas wow. Cette chose, c'est. Je sais pas quelle. De toute façon, je n'essaierai pas d'avoir la bonne fin. Donc voilà. Voilà! Il est temps de s'arrêter là. Donc voilà. Et donc, voilà, c'était donc la première partie du Let's Play de Resident Evil 1 Director's Cut sur PS1. Je rappelle que nous étions sur. Comme j'avais mis. Que là, on. Excusez-moi! Je rappelle que là, le jeu, je l'avais mis dans la PS3. Pour une raison de qualité, voilà, pour tout vous dire que c'est pour la qualité que je l'ai fait, parce que, très franchement, si je mettais le jeu, si j'avais mis le jeu sur la vraie Play 1 ou sur PS2, je suis pas sûr que la qualité aurait été aussi belle, enfin, aussi belle. Non, c'est pas, la qualité n'est pas si bien que ça, mais je veux dire, la qualité aurait été encore plus moche que ce que vous avez vu là à l'écran, voilà. Et encore, j'ai mis le lissage. Donc voilà, sans lissage, je pense que la qualité aurait été merdique, hein, voilà. Tout simplement. La qualité aurait été toute moisie sans lissage. Voilà! C'était donc la première partie du Let's Play de Resident Evil, premier du nom. On se fera la suite, je ne sais pas quand, et donc voilà. Allez! Je vous dis bye bye! Et merci d'avoir regardé cette vidéo, pardon. J'allais oublier, excusez-moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis bye bye. Et à la prochaine. Ciao, ciao.